Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur GTA V pour vous montrer comment vendre votre Bugatti Veyron à l'infini, donc autant de fois que vous le voulez, hein. Donc pour ça c'est très simple, suivez bien les instructions et il n'y aura pas de problème. Alors premièrement, vous allez vous déconnecter de votre profil principal. Voilà, vous vous déconnectez. Donc vous avez besoin d'un deuxième profil, peu importe lequel, hein, si vous en avez pas, vous en créez un. Personnellement, j'en ai créé un avant, et voilà, c'est le player, hein, comme vous voyez. Donc, vous vous connectez avec votre deuxième profil. Une fois que vous êtes connecté avec, vous êtes dans le chargement du mode histoire, donc vous vous déconnectez de ce deuxième profil. Voilà, et là, vous allez vous reconnecter avec votre profil principal. Jusqu'ici tout va bien, c'est très simple, hein, vraiment. Donc par contre, restez bien dans le chargement du mode histoire, laissez-le se terminer, ce qui va vous ramener à la cinématique du début du jeu, c'est-à-dire le tout premier braquage, enfin quand vous commencez le mode histoire, quoi. Donc vous laissez bien ce chargement du mode histoire se terminer. Par contre, il est vraiment très très long, donc je vais accélérer la vidéo et je vous dis à tout de suite. Nous y revoilà. Alors, une fois que vous êtes dans la première cinématique du jeu, la toute première, au tout début, là, vous allez faire Start. Vous allez dans En ligne. Vous faites Jouer à GTA Online et vous créez une session sur invitation. Jusqu'ici, vraiment, rien de bien compliqué. Donc, petite parenthèse, n'oubliez pas de booster votre véhicule hein, pour que le prix à la revente soit vraiment le plus cher possible. Voilà, comme ça vous allez faire un maximum d'argent en vraiment très très peu de temps. Donc, vous allez spawner dans votre session sur invitation. Personnellement, là, je vais spawner dans ma Bugatti alors qu'avant je n'étais pas dedans. Enfin bref, ce jeu est vraiment buggé, quoi. Donc, je spawn dans ma Bugatti Veyron. Alors là, vous vous rendez dans le garage Los Custom, mais vous n'entrez surtout pas à l'intérieur. Vraiment, là pour l'instant, vous n'entrez toujours pas dans le garage Los Custom avec votre Bugatti. Vous vous rendez tranquillement vers le garage. Et là, vous allez vous garer vraiment à côté de la porte d'entrée du garage. Comme vous allez voir. Voilà, vous vous mettez ici, peu importe, hein. Vous garez à côté. Et là, vous prenez n'importe quelle voiture qui vous tombe sous la main. N'importe laquelle, hein, ça a vraiment peu d'importance. Avec cette voiture, vous rentrez à l'intérieur du garage. Donc, écoutez bien là aussi, très important, vous allez faire vendre, mais vous ne confirmez surtout pas la vente. Donc, une fois que vous avez fait vendre, vous faites Start, Marché Xbox Game, vous acceptez. Une fois dans le marché Xbox Game, vous connaissez, hein, je suppose, vous faites Retour. Une fois que vous avez fait Retour, vous refaites vendre votre véhicule, mais vous ne confirmez toujours pas la vente. Alors une fois que vous avez fait vendre, vous confirmez pas, vous faites start, marché Xbox Game, vous acceptez. Une fois dans le marché Xbox Game, vous faites retour. Et là, si tout va bien, normalement, vous allez spawner à l'intérieur de votre Bugatti, à l'extérieur du garage. Donc si ça marche pas au bout de deux manips, continuez, ça a peu d'importance. Vous pouvez y arriver même en faisant 3, 4 manips. Hein, si vous affolez pas, si vous n'y arrivez pas au bout de 2 manips. Donc là, vous rentrez à l'intérieur du garage. Et là, vous vendez votre véhicule. Une fois qu'il y a vendu, vous faites marché Xbox Game. Vous acceptez. Une fois dedans le marché Xbox Game, vous faites retour.
Voilà, retour. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans la vidéo, je vais la vendre à peu près 5 fois, je crois, oui. Donc, je vais faire un peu plus d'un million de dollars en vraiment très très peu de temps, voilà. Donc, c'était la petite astuce pour vendre votre véhicule et faire un maximum de blé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, les mecs. Allez, ciao, ciao. Set of wheels.